Bonjour amis téléspectateurs de la RMBTV, téléspectatrices. Nous sommes à votre 8e numéro de notre émission Saine Éducation, présentée par votre ami enseignant Thierry Nongom. Sous l'invitation de l'éminent professeur M. Sané, professeur d'histoire et de géographie. Professeur, bonjour. Bonjour. Donc, avant tout, nous allons passer à la régie pour saluer le responsable moral Thierry Laurent Mendy et Ya Aram qui nous ont mélangé aucun effort pour la réussite de cette éducation, mais aussi qui nous ont donné l'opportunité de présenter notre concept dans la chaîne leader, la chaîne de la jeunesse RMB TV. De passage, nous saluons toute l'équipe technique et coucou à la famille qui nous regarde actuellement en direct sur la chaîne leader. Professeur, pouvez-vous nous faire votre présentation, s'il vous plaît? Bon, je me nomme M. Sané, professeur d'histoire géographie. J'ai principalement grandi en Casamance. Après le bac, j'ai effectué mes études supérieures à l'UCAD, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, oui, où j'ai obtenu mon Master 2 en 2014. Mm-hmm. J'ai commencé l'enseignement après la licence en 2012 au FONI Kermbaïfal. Oui. J'interviens aussi à Yakar Teki, toujours à Kermbaïfal, à Angela Davis à Yambel, et éventuellement Angela Davis de Gadaï. Mm-hmm. Dans ces différents établissements, les déclarants responsables, notamment Boum Djédiou Le Fogny à Kermbaïfal, Madame Souane et Madame Sek Yakar Teki à Kermbaïfal, oui, Gourgui Dien à Angela Davis Yembel comme Gadaï, mm-hmm, ne cessent de rendre au travail son sens et sa dimension de service. D'accord. Donc, de s'investir davantage dans la prévention et dans la prévention des problèmes que dans le guérison. Mm-hmm. D'agir dans la conscience du long terme, mm-hmm, sans oublier les collègues représentés ici par l'éminent professeur, donc Omar Boudian, professeur, mm-hmm, de français, intervenant aussi dans différents établissements, particulièrement à Kermbaïfal. Mm-hmm. À mes parents qui m'ont permis donc qui m'ont appris le sens du partage et de la solidarité, à Madame Sané Aïssatou Dem Koli. Mm-hmm. Donc je salue aussi au passage les voisins, donc les cohabitants. D'accord. Et je ne sens pourtant oublier de remercier donc l'ensemble de l'équipe administrative ici présente. Mm-hmm. D'accord, Monsieur Sané. Donc je vous rappelle, on est avec notre professeur, Monsieur Sané, professeur d'histoire et de géographie ici à la RMB TV dans l'émission Éducation qui est à son numéro 8. Donc, on est en notre première leçon d'histoire et de géographie. Je vous rappelle, chers téléspectateurs et téléspectatrices, aujourd'hui, on vous laisse avec le professeur. Il va vous présenter le contenu du cours qu'il va nous donner aujourd'hui pour un peu expliquer le contexte et le concept de l'émission. J'espère bien que vous avez bien maîtrisé comment. Donc, professeur, on vous laisse la parole pour vous présenter ce que vous avez amené aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, j'ai choisi donc de débattre sur un thème d'une importance capitale, mm-hmm, notamment le système monde, oui, donc des espaces interdépendants. Mm-hmm. Pourquoi le choix est porté sur ce thème? Tout simplement, le programme de la géographie en classe de terminale donc s'articule autour d'un thème essentiel, central, donc l'intégration. L'intégration donc perçue en première échelle, de manière planétaire, et en deuxième échelle régionale. D'accord. Donc, l'importance de cette leçon, mm-hmm, donc introductive en classe de terminale, permettra effectivement à ce que les apprenants, mm-hmm, puissent avoir donc à acquérir des connaissances et des compétences, mm-hmm, donc de manière planétaire. D'accord. Je comprends bien. Le sujet que vous avez amené, aujourd'hui, c'est quoi? Le système monde, l'espace interdépendance. Donc, je crois bien que c'est bien préparé. Et les apprenants, les apprenantes, chers candidats, chers élèves, veuillez nous prêter un peu vos oreilles et vos yeux pour écouter l'explication de cette professeur. Donc, je vous rappelle, on est toujours sous la supervision de l'éminent professeur de français qui est le doyen de l'émission Saine Éducation, qui est là, M. Boudian. Je le salue de passage. Je salue Mme Boudian, sa famille et l'ensemble de la zone de Kermbaïfal, c'était poste sans oublier mon frère Abdoulaye Ndiaye. Et je lui souhaite un happy birthday parce qu'il vient d'avoir 50 ans et grand. Dundalou Bari, merci beaucoup, Djadjef. Donc, professeur, nous vous laissons un peu avec le programme pour venir expliquer ce que vous avez amené aujourd'hui. D'accord. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons donc débattre sur le thème portant sur
La mondialisation. Les espaces interdépendants. Interdépendance. Voilà. Comme vous pouvez le constater, alors le thème, la mondialisation, les espaces interdépendants, le système monde. Oui. D'abord, on va revenir sur ce qu'on appelle système. Qu'est-ce qu'un système et qu'est-ce que le système monde? Ce qu'il faudra comprendre pour pouvoir donc, permettre à ce que les apprenants puissent donc comprendre mieux, il va falloir qu'on décortique ces deux concepts. Oui. À savoir le système. Oui. Donc, qu'est-ce qu'un système? Un système est tout simplement un ensemble d'éléments, donc interdépendants, c'est-à-dire liés entre eux. Et si un élément venait de se détériorer, c'est tout le système qui sera compromis. Maintenant, qu'est-ce qu'un système monde? Qu'est-ce que le système monde? Le système monde peut être défini comme un fait géographique. Un fait géographique qui a existé à partir du moment où une décision a été prise, donc un événement qui a existé quelque part à la surface de la Terre et qui a eu des répercussions sur tout autre point du monde, c'est-à-dire du globe terrestre. Du globe terrestre. Ce qu'on appelle un système. Un système. Comment maintenant en est-on arrivé effectivement à cette mondialisation? Alors maintenant là, nous allons passer tout simplement, le concept de mondialisation a donc pendant très longtemps existé, plus précisément au 15e siècle, et qui correspond avec les grands voyages de découverte. Les grands voyages de découverte, et qui a fini par se matérialiser au lendemain de la dissolution du bloc de l'Est, c'est-à-dire l'URSS. Et pour avoir donc une forme beaucoup plus marquante, marquée plutôt, et Zeus après l'uniformisation du monde, c'est-à-dire le monde qui était un monde bipolaire, qui est devenu unipolaire. Et sur ce point de vue, je m'en vais maintenant être beaucoup plus explicite. C'est-à-dire, et quand le monde est sorti de la Première Guerre mondiale, 1914-1918, alors, il a été frappé, donc, d'une situation inattendue en Amérique. Je veux parler ici de la crise des années 1930. D'accord. Les États-Unis ont fait leur entrée tardive à la Première Guerre mondiale et ont eu à donc mettre l'accent sur la production agricole, espérant que cette production allait être écoulée dans le marché mondial dans leur globalité. Tel n'était pas le cas. Alors du coup, cela va avoir des répercussions au plan politique, mais aussi au plan économique. Au plan politique, donc, l'accent a été mis sur la production. Les produits acheminés dans le marché vont être, donc, ne vont pas connaître un écoulement total. Ce qui va entraîner la chute des prix. La chute des prix. Les prix vont chuter. Les populations qui ont eu à déposer leur donc capitaux dans les banques vont devoir se ruer une fois devant les banques qui refusent à donc accorder la liquidité totale. Et ce qui va entraîner éventuellement pousser les populations ou les capitalistes de bien pouvoir réduire considérablement pour pouvoir répondre positivement à leur engagement, en quoi faisant, en réduisant considérablement les travailleurs. Et du coup, les salaires vont baisser. Et quand les salaires baissent, les banques vont connaître des problèmes. Et c'est la faillite. Ce qui va faire que la
situation politique auparavant va devenir donc une situation économique. D'accord. Et du coup, c'est une cause fondamentale de la première guerre, de la deuxième guerre mondiale. La deuxième guerre mondiale éclatant, tout simplement, va devoir opposer d'abord avec la création à travers la charte de l'Atlantique qui a eu lieu éventuellement en 1941, créant effectivement ce qu'on appelle la Grande Alliance. Cette Grande Alliance, nous sommes déjà donc 1939-1945 et qui est donc la deuxième guerre la deuxième guerre mondiale va devoir donc opposer d'un côté à l'ouest nous avons à l'ouest les États-Unis donc l'URSS Union des républiques socialistes soviétiques le Royaume-Uni appelé la Grande-Bretagne et éventuellement la France contre qui contre l'élément commanditaire donc de la Seconde Guerre mondiale et qui est l'Allemagne. Une fois la guerre terminée, la Première Guerre mondiale terminée, la communauté internationale avait jugé nécessaire de mettre au point une organisation devant donc veiller à ce qu'une deuxième guerre mondiale ne puisse éclater. Et cette institution a été pilotée par le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne. C'est effectivement donc la Grande Alliance qui va en bénéficier. Donc, sous la direction du Royaume-Uni, ils vont jeter les bases de création qui a donné naissance à la SDN, c'est-à-dire la Société des Nations. Mais puisque la Deuxième Guerre mondiale a éclaté en 1939-1945, la SDN a fini par montrer ses limites. Ce qui fait que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, plus précisément en 1945, donc la SDN va être remplacée par ce qu'on appelle aujourd'hui l'Organisation des Nations Unies. Alors, cette Organisation des Nations Unies va donc aussi en premier lieu être dirigée par toujours la Grande-Bretagne. Alors, jusqu'au moment où l'Allemagne va être capitulée, la capitulation de l'Allemagne va donc donner l'occasion à ces pays qui constituaient la Grande Alliance de pouvoir se partager l'Allemagne comme un gâteau. Le nord de l'Allemagne va être occupé par le Royaume-Uni, le sud de l'Allemagne va être occupé par la France, l'est de l'Allemagne va être occupé par l'URSS, et l'ouest de l'Allemagne va être occupé par éventuellement les États-Unis. Mais ces deux puissance précédemment citée, en l'occurrence les États-Unis et l'URSS, ne vont pas s'entendre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes donc modèles économiques. Les États-Unis sont capitalistes, l'URSS est communiste. Et le divorce va être consommé. Le divorce consommé va entraîner maintenant la naissance, effectivement, de relations Est-Ouest, la guerre froide. Pourquoi? Parce que c'est très important pour que les élèves puissent avoir donc un aperçu comment en est-on arrivé à cette situation dont il est question aujourd'hui. Le système monde, la mondialisation. Alors, de ce point de vue, une fois le divorce consommé entre ces deux puissances, la guerre froide va avoir lieu. Donc, de 1947, on aura peut-être l'occasion de revenir jusqu'aux années 1990. Mais on ne va pas s'atteler là-dessus. Parce que le thème de notre exposé d'aujourd'hui, le système monde. Éventuellement, la mondialisation, les espaces interdépendants. Mais il fallait historiser donc la géographie pour permettre à l'élève, l'apprenant de la terminale, de pouvoir éventuellement avoir un aperçu. Alors, par rapport à cette situation maintenant, et les États-Unis à l'ouest, l'URSS à l'est. Jusqu'aux années 1990, l'URSS va s'essouffler, ne va plus tenir le coup. Le monde qui était un monde bipolaire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et jusqu'à 1990, va devenir encore un monde unipolaire. C'est pourquoi au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il nous sera impossible de parler d'un seul monde. Il y avait deux mondes. Un, le monde capitaliste. Donc, ici, nous avons le monde capitaliste. Autour duquel, donc, se sont alignés particulièrement les pays de l'Europe de l'Ouest. L'Europe de l'Ouest, d'accord. Et de l'autre côté, nous avons un autre monde appelé le monde
communiste. Mmh. Autour duquel aussi se sont alignés particulièrement les pays baltiques, mmh, les pays de l'Europe de l'Est. Mmh. Voilà la situation. D'accord. Ça, c'est de la connaissance qu'on avait oublié, je crois, bien, cher apprenant. Ici, vous avez l'explication et l'historique, ce qu'on appelle la mondialisation. Du début jusqu'à 1990, vous avez un peu plus ce qu'on appelle la guerre froide. Je crois qu'on aura l'occasion d'en parler après. Mais le système monde, deux points, espace, interdépendance et la mondialisation. Mais professeur, oui, quels sont les facteurs de la mondialisation? Alors, voilà une question très pertinente. Les facteurs de la mondialisation. D'abord, ce que je voudrais d'abord revenir, c'est que pour comprendre la mondialisation est tout simplement un processus par lequel, mm-hmm, les espaces différents se partagent des modèles, mm-hmm, au plan économique, au plan politique, au plan culturel. Donc, et la mondialisation se fonde éventuellement sur des moyens de transport, de communication, mm-hmm, mais aussi particulièrement sur les capitaux, mm-hmm, le capital. Voilà. Mm-hmm. D'accord. Donc, sur les moyens de communication, sur le capital. Mais par rapport aux moyens de communication, est-ce que vous en pouvez expliquer un peu? Avant de revenir sur les moyens de communication, répondre à votre question, mm-hmm, permettez-moi d'abord, mm-hmm, éventuellement de revenir sur un aspect capital. Oui. Et cet aspect, c'est tout simplement, et quand effectivement l'URSS va s'essouffler, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, mm-hmm, l'essoufflement de l'URSS va entraîner donc une polarisation du monde. C'est-à-dire le monde qui était un monde bipolaire, c'est-à-dire, mm-hmm, deux mondes va devenir un seul monde. Sera piloté par les États-Unis, le système capitaliste. D'accord. Alors, ce pilotage par les États-Unis du monde du point de vue économique, mm-hmm, va permettre maintenant à ce que les capitalistes se posent des questions à savoir, mm-hmm, comment devons-nous faire maintenant pour pouvoir faire fonctionner, mm-hmm, nos unités industrielles à travers le monde. D'accord. En ce moment précis, mm-hmm, effectivement, il va y avoir aussi, mm-hmm, donc deux zones géographiques. Mm-hmm. Ici, nous avons ce qu'on appelle les matières premières. Mm-hmm. Et là, nous avons ici ce qu'on appelle, mm-hmm, les zones de transformation. Zones de transformation. Mm-hmm. Et quand je dis zone de transformation, mm-hmm, ça renvoie aux usines. Aux usines, d'accord. Alors, ici, on a la possibilité de trouver des matières premières. Mm-hmm. Qui vont être transportés, mm-hmm, vers les zones de transformation, c'est-à-dire les usines. Mm-hmm. Et qui dit usine, ça renvoie aux pays développés. D'accord. Les zones de transformation usines ont aussi besoin, donc ici mettons un, mm-hmm, là mettons deux, mm-hmm, les usines ont besoin de matières premières. Mm-hmm. Et là, maintenant, nous avons une autre flèche, mm-hmm, trois. Pourquoi? Parce que tout simplement, là, on va mettre ce qu'on appelle la délocalisation. C'est quoi le problème? Mm-hmm. Les matières premières sont toujours recherchées dans les pays en développement. Mm-hmm. Alors, du coup, elles vont être transportées, mm-hmm, vers les zones de transformation. Mm-hmm. Ou, soit ce sont les capitalistes qui vont venir chercher, mm-hmm, acheter des matières premières dans les pays en développement, en l'occurrence en Afrique ou en Asie, mm-hmm, les ramener en Europe pour qu'elles puissent être transformées, mm-hmm, pour devenir des matières, des produits finis prêts à la consommation. Mais cela va impacter, mm-hmm, ça va impacter, mm-hmm, donc les prix, mm-hmm, des produits manufacturés. D'accord. C'est la raison pour laquelle, mm-hmm, ils ont donc choisi, mm-hmm, la délocalisation des unités industrielles vers les zones où se trouvent les matières premières, ainsi les transformer au niveau local. D'accord. Maintenant, quand effectivement cette transformation va éventuellement revenir, mm-hmm, terminée, mm-hmm, il va falloir qu'il aille chercher des, mm-hmm, marchés de d'écoulement. Mm-hmm. Et ces marchés d'écoulement, c'est, mm-hmm, en ce moment précis, où l'écoulement des produits à travers les marchés mondiaux, mm-hmm, c'est dans ce contexte qu'est née la mondialisation. La mondialisation. Donc le concept, mm-hmm,
le monde au village planétaire est né de ce système-là. Est né de ce système. D'accord. Donc je crois bien que si aujourd'hui on dit que le monde est un village planétaire, c'est parce qu'il est né à partir de la mondialisation. Oui, la mondialisation. La mondialisation, c'est-à-dire le concept va se développer, le village, le monde en village planétaire va se développer du moment qu'effectivement l'URSS est essoufflé. Mais va éventuellement devenir une réalité juste après éventuellement donc la distribution des produits au niveau de l'espace mondial. D'accord. Mais j'entends vous parler, vous parler de l'URSS. L'URSS. Quel était son impact au niveau de la mondialisation et quel était son impact au niveau économique? Au niveau de la mondialisation. Oui. Et au niveau de l'économie, au niveau de l'économie du monde. Quel était l'impact de l'URSS? Voilà, c'est une très bonne question. Je comprends ce que vous voulez dire. Alors ici, vous savez, ce sont des pays qui ont eu à travailler en tandem. C'est-à-dire en collaboration. Oui. En l'occurrence, les États-Unis et l'URSS, pendant la Seconde Guerre mondiale, vous l'avez vu ici, États-Unis, URSS, Royaume-Uni. Oui. On ne pourrait pas comprendre comment les deux puissances qui ont eu à travailler ensemble se sont opposées pendant la guerre froide, parce qu'ils n'ont pas les mêmes donc longueurs d'onde. Oui. Pourquoi? Parce que les États-Unis se sont arrosés la possibilité de pouvoir libérer les populations qui étaient opprimées par la puissance URSS. D'accord. Et l'URSS aussi a eu l'occasion, puisque son armée rouge a eu à libérer certains de ces pays et populations qui ont été opprimés par les États-Unis, donc se considère comme étant une puissance. Une puissance. Et la puissance de l'URSS, comme vous l'avez demandé, relève effectivement de ses conditions de la comment elle est née. Et là, c'est le programme de la troisième. Parce que l'URSS, donc en 1917, avait connu des révolutions. Et je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir en classe de troisième. Inch'Allah. Les conditions dans lesquelles l'URSS est née. D'accord. Parce qu'auparavant, c'était un pays qui a été dirigé par un tsar, Nicolas II. Et qui s'accaparait de tous les pouvoirs jusqu'à ce qu'il y ait des révolutions. Il y avait deux révolutions. Oui. Et qui ont fini par donc donner naissance à l'URSS. D'accord. Et depuis lors, l'URSS est devenue comme une puissance mondiale sur tous les plans, Inch'Allah. Devant concurrencer effectivement les États-Unis. D'accord. On aura la chance d'y revenir, Inch'Allah, sur le programme de la troisième en géographie. Mais pour ça, on a une autre interrogation. Ça veut dire, quels sont les acteurs de la mondialisation? Alors, très bien. Bon, on n'a pas assez d'espace, c'est pas grave. Si vous continuez. Alors, donc ici, les acteurs de la mondialisation, il faudra savoir, juste avec l'essoufflement, avec l'occupation du monde, l'américanisation du monde, parce que l'URSS est essoufflé. Cette américanisation du monde va pousser maintenant aux puissances donc américaines de bien pouvoir s'accaparer donc du monde. Du monde. En quoi faisant, ils vont créer ce qu'on appelle le groupe des. Le club des sept pays les plus développés au monde. Les G7. Le G7. Oui. Ce G7 est composé donc des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie. Du Canada et éventuellement de la Chine. Donc, sept pays. Alors, du coup, juste après, ils vont créer le G8. Le G8. G8 égale G7 plus la Russie. La Russie. D'accord. La Russie, elle est née de l'éclatement de l'URSS. Aujourd'hui, dirigée par Vladimir Poutine. Alors, donc le G7 plus Russie va donner le G8. Le G8. À partir de ce moment, ils vont encore créer ce qu'on appelle le G15. Ils créent le G20. Ce sont ces puissances-là. Et en plus, ils vont mettre au point ce qu'on appelle le Fonds monétaire international, la Banque mondiale,
Banque mondiale mm-hmm. et éventuellement des ONG mm-hmm. qui aujourd'hui mm-hmm. fixent mm-hmm. et déterminent donc la marche de l'économie mondiale. D'accord. Donc, si je me rappelle très bien, ou bien si je me souviens à mes leçons en classe de terminale, le G7, G8, G15, G20, jusqu'à ce qu'on ait eu des organisations ou bien des organismes internationaux qui vont diriger ou bien qui vont monopoliser le commerce mondial et l'économie mondiale, il fait partie de ces organisations, la FMI. FMI, c'est Fonds Mondial International et la Banque Mondiale. Mais aujourd'hui, est-ce que ces organisations ont joué leur rôle? Je dirais non. Et ça me permettrait effectivement de revenir sur un aspect que nous vivons aujourd'hui, oui. notamment le Covid-19. Mm-hmm. Et la population mm-hmm. donc, mondiale, aujourd'hui, avec le Covid-19, mm-hmm. 7 milliards de population mm-hmm. que compte la planète Terre mm-hmm. se trouvent dans le même bateau. Oui. Aucune puissance... Mm-hmm. auparavant, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, si vous voulez. Mm-hmm. Aucun pays pauvre mm-hmm. ne pouvant faire face pour essayer de trouver une solution. Mm-hmm. La mondialisation, donc, aujourd'hui, est éventuellement mise à nu. Mise à nu. Pourquoi? Tout simplement mm-hmm. parce que les puissances mmh. qui se sont, les pays qui se sont considérés auparavant comme étant des puissances mmh. se voient incapables mmh. de trouver une solution pouvant donc éradiquer complètement cette maladie. Mmh. C'est vrai quelque mmh. part. Oui. Et le Covid-19 mmh. éventuellement a un aspect positif. Positif. Quel est l'aspect positif oui. du Covid-19? C'est du point de vue environnemental. Mmh. L'environnement. Mmh. c'est l'habitat. Mm-hmm. L'environnement, mm-hmm. c'est la richesse. Mm-hmm. L'environnement, mm-hmm. ce sont les dépôts. Mm-hmm. Alors, c'est la vie. Mm-hmm. Aujourd'hui, mm-hmm. avec cette apparition du Covid-19, dont il est question d'actualité, oui. alors les rues mm-hmm. du monde oui. se sont vidées de leurs véhicules, mm-hmm. se sont vidées mm-hmm. de leur population. Mm-hmm. se sont vidés. Effectivement, mmh. les unités industrielles ont fermé leurs portes. Mmh. Alors, il y a moins mmh. de dégazement de gaz à effet de serre devant compromettre la vie des espèces sur la Terre. Mmh. C'est un aspect positif. Positif. Je ne dis pas, au passage, mmh. que le Covid-19 a bien fait venir. Non, ce n'est pas le cas. Oui. Alors, mmh. donc, mmh. et du point de vue économique, mmh. ces puissances aujourd'hui mmh. se sont encore, donc, amoutri mm-hmm. malgré tous les fonds mm-hmm. qu'elle disposait. Mm-hmm. Et si aujourd'hui certains de ces pays, mm-hmm. certains des dirigeants, mm-hmm. particulièrement en Afrique, mm-hmm. au Sénégal, oui. on a demandé à ce que mm-hmm. les puissances puissent annuler mm-hmm. les dettes. Oui. Mais qu'est-ce qui est derrière ces dettes-là? Oui. L'annulation des dettes. Mm-hmm. Est-ce que si on annule les dettes, mm-hmm. cela ne veut pas dire que les populations françaises ou européennes qui auront des problèmes pourraient éventuellement donc venir occuper l'espace mm-hmm. dans les pays en développement? Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes en compagnie avec notre professeur d'histoire et géographie, M. Sané, professeur d'histoire géo qui intervient pas mal d'établissements, particulièrement jusqu'à Dakar et dans la grande ville. Il est très reconnu à travers la banlieue. Donc, c'est toujours une question d'actualité que vous êtes en train de développer, professeur. Oui. Oui, vous continuez. Oui, c'est juste une question d'actualité. Donc, l'impact économique se fera sentir par de multiples canaux. Mm-hmm. Toutes les activités sont suspendues. Oui. Les écoles ont fermé. Mm-hmm. leurs portes, mm-hmm. les établissements. Mm-hmm. Il n'y a plus d'activité. Mm-hmm. La mobilité est réduite. Mm-hmm. Et cela a des répercussions mm-hmm. au plan alimentaire. Mm-hmm. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion mm-hmm. pour attirer l'attention mm-hmm. donc, des autorités. Mm-hmm. La famine commence à guetter mm-hmm. donc, les familles mm-hmm. dans notre pays. Mm-hmm. Et qu'il est temps mm-hmm. de bien pouvoir aller à l'encontre mm-hmm. pour trouver éventuellement mm-hmm. donc une solution pouvant permettre à ce que le confinement mm-hmm. donc soit évité.
soit évité. D'accord, nous revenons à notre thème, cher professeur, je rappelle toujours, hein, on est dans votre émission Saine Éducation, ça présenté toujours hein, par votre ami Cheikh Nongom. Et bon, professeur, il y a une interrogation autre qui vient, telle que celle-ci. On vous demande, comment en est-on arrivé au concept de mondialisation? Alors, oui. Je vais revenir encore là-dessus, mais je crois l'avoir déjà abordé. Mm-hmm. Mais néanmoins, toujours est-il qu'il est bien de se répéter. D'accord. Alors, je disais tout à l'heure, mm-hmm. avec le système monde, oui. c'est-à-dire la mondialisation, mm-hmm. et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mm-hmm. les puissances telles que la Grande Alliance, composée des quatre pays, notamment les États-Unis, l'URSS, le Royaume-Uni, mm-hmm. vont devoir faire face à l'Allemagne. L'Allemagne capitulée, divisée en quatre zones d'occupation, que se sont partagées les pays qui ont composé ou qui composent éventuellement donc l'ex-Grande Alliance, mm-hmm. n'ont pas eu le temps de savourer leur victoire. Mm-hmm. L'enthousiasme qui est né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale n'a pas connu une longue durée. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce que la Grande Alliance n'a pas réussi à survivre aux tensions idéologiques mm-hmm. qui ont fini par diviser le monde en deux camps antagonistes. L'Est et l'Ouest vont marquer les relations internationales de 1947 mm-hmm. aux années 1990. 90. Alors, mm-hmm. la guerre froide. Oui. Cette guerre froide mm-hmm. va éventuellement s'éteindre mm-hmm. et il y a éventuellement mm-hmm. beaucoup de choses à dire. Mm-hmm. Mais le temps ne nous permet pas parce que nous sommes en géographie. En géographie. Donc ici, mm-hmm. juste après l'essoufflement de l'ex-URSS, mm-hmm. donc le monde va devenir un monde capitaliste. Mm-hmm. Oui, le monde va devenir donc mm-hmm. un monde capitaliste mm-hmm. sous la direction des États, des États-Unis. Mm-hmm. Alors du coup, mm-hmm. cela va impacter mm-hmm. l'économie, les pays qui ont eu à embrasser l'économie ou le modèle économique de l'URSS mm-hmm. communiste mm-hmm. vont devoir avoir une économie teintée, c'est-à-dire une économie en deux tons. En deux tons. C'est-à-dire économie capitaliste d'un mm-hmm. côté et d'autre côté économie communiste. Communiste. Mm-hmm. Alors du coup, mm-hmm. les États-Unis, mm-hmm. les capitalistes mm-hmm. vont se poser la question à savoir mm-hmm. comment allons-nous faire mm-hmm. pour pouvoir donc alimenter ou faire fonctionner nos outils industriels. Il D'accord. fallait maintenant aller chercher mm-hmm. des matières premières mm-hmm. qui sont repérées dans mm-hmm. les pays en développement. En développement. Et dans ces pays en développement, mm-hmm. maintenant, ils vont soit de deux choses l'une, mm-hmm. se déplacer, acheter des matières premières, mm-hmm. les transporter dans les pays développés pour donc les transformer en produits finis. Mm-hmm. Et cela va impacter mm-hmm. sur les prix mm-hmm. donc des produits finis, c'est-à-dire des produits prêts à la consommation. Alors, okay. Professeur, cela va impacter sur les prix à la consommation. Donc, c'est tout juste un résumé sur ce qu'on avait expliqué. Je crois qu'il avait bien parlé, il a bien expliqué ce que le concept et l'interrogation qui lui a été posée. Je vous rappelle, chers apprenants, chers élèves, il est là, il est très disponible pour cette éducation. Monsieur Sané, professeur d'histoire et de géographie, qui intervient pas mal d'établissements à Yakar, Teki, Afoni, etc. Il est très reconnu. Mais on est encore sous la supervision de l'éminent professeur Monsieur Dramé, qui est le doyen de cette éducation. Qui est toujours disponible lui aussi. On fait un coucou à sa famille et tout l'ensemble de l'équipe technique qui est là parmi nous. Il fait que le travail soit remarquable et très visible. Donc on est devant l'écran, mais il y a des personnes qui sont derrière nous. Vous ne les voyez pas. Je les remercie de leur engagement, de leur détermination, sans oublier la responsable de la régie. Professeur, vous pouvez continuer votre explication. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure, juste après l'essoufflement de l'URSS, le monde qui était devenu un monde donc capitaliste mm-hmm. sous la direction des États-Unis, mm-hmm. les puissances capitalistes vont devoir se poser la question à savoir comment allons-nous faire pour pouvoir faire fonctionner leur industrie industrielle. Mm-hmm. C'est en ce moment qu'ils ont pris la décision soit de venir chercher des matières premières dans les pays en développement, mm-hmm. les transférer vers les pays développés où elles vont être transformées pour devenir des produits finis, mm-hmm. mais cela va impacter sur les prix des produits finis. Et du coup, mm-hmm. les usines ont besoin des matières premières mm-hmm. et de ce point de vue, mm-hmm. il aura fallu donc faire ce qu'on appelle une délocalisation. C'est-à-dire faire quitter les unités industrielles mm-hmm. donc au plan national mm-hmm. pour les ramener au bénéfice mm-hmm. des pays en
développement où les matières premières vont être donc transformées localement. D'accord. Et c'est dans ce concept maintenant, avec la répartition des produits finis dans le marché mondial, c'est ce qui a donné naissance à ce concept de mondialisation dont il est question ici. D'accord. Donc on est juste à notre dernière question. C'est quoi? Quels sont les incidents? Les incidents de la mondialisation. Alors, les incidents de la mondialisation, je vois là aussi, vous voudrez parler effectivement des aspects positifs et des aspects négatifs de la mondialisation. D'accord. C'est bien sûr. La mondialisation a ses aspects positifs. Quels sont les aspects positifs de la mondialisation? Alors, l'information. L'information qui tombe est en non-tenté, donc distribué à travers le monde par via Internet. D'accord. Et aujourd'hui, avec cette mondialisation qui a vu le développement des moyens de communication, les moyens de transport, qui aujourd'hui ont fini par effacer les frontières physiques. Il n'y a plus de frontières. Et aussi, il nous suffit un seul clic pour pouvoir transférer des milliards et des milliards d'un point à un autre point. C'est un aspect positif de la mondialisation. D'accord. Et au bénéfice de la population mondiale. Mondiale. Mais, sur tant d'autres aspects positifs. L'aspect négatif de la mondialisation, les pays développés se sont accaparés des puissances, des richesses qui devaient être donc réparties sur toute la planète internationale. D'accord. Et d'ailleurs, c'est une petite minorité qui en bénéficie. Parce qu'au passage, il faudra rappeler l'aspect géographique. L'espace mondial est caractérisé par de nombreuses inégalités liées au peuplement et au niveau de développement. Certains pays ont un excédent de population jeune, excédent de population adulte, excédent de population vieille, particulièrement dans les pays en développé. La vieillesse de la population. Ce qui fait que ces populations n'ont pas de force et sont attaquées, vous avez vu, avec le coronavirus. Les Européens se posent la question pourquoi effectivement les Africains n'ont donc sont donc non pas une importante nombre. Très bien. Donc pourquoi les Africains ne meurent pas autant que les Européens? Parce qu'ils n'ont plus de défense. Alors, l'aspect aussi négatif de la mondialisation. Et d'ailleurs, c'est ce qui a alimenté les altermondialistes. Et le moment est venu pour que tout soit revu de long en large, de fond en comble. La mondialisation ou la gouvernance mondiale, donc incarnée par un groupe particulièrement riche, aujourd'hui, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Ils ont déjà franchi la barre des 20 000 morts. La France, tous ces pays-là sont donc dans une situation donc marquée par une peur qui gouverne à lieu et place des chefs d'État. La peur gouverne aujourd'hui le monde. Aucun chef d'État ne peut à lui seul donc assurer la sécurité alimentaire, la sécurité en tant que telle, centimètre carré par centimètre carré de son territoire. Les Français étaient au Mali. Mais qu'en est-il devenu aujourd'hui du Mali? Malgré la présence de la force des Français, alors le Mali est devenu tout sauf un État. Cela encore prouve qu'effectivement, les Africains, il est temps qu'ils puissent prendre leur destin en main, qu'ils puissent se lever et dire non, et éventuellement combattre ceux qui pourraient donc continuer à mettre à genoux le continent africain, en l'occurrence le franc CFA, d'abord. Et refuser, il ne devait pas avoir donc lieu l'annulation de la dette. Qu'est-ce qui est caché derrière ça? Un point d'interrogation. Si cela parvient à être consommé, alors cela veut dire que tout simplement, comme ils l'ont fait pendant la colonisation, ils peuvent, les Français, les pays européens, sont dans l'obligation qu'après Covid-19, de venir s'alimenter dans les pays en développement. Oui.
Donc, certains de ces pays qui sont laissés appeler les pays marginalisés, les pays de la périphérie, en contradiction avec donc les pays de la triade, notamment les États-Unis, le Japon et l'Union européenne. Il est temps, donc, le Covid-19 a montré à la face du monde, particulièrement aux Sénégalais, le véritable problème des Sénégalais. Le dialogue national n'a plus raison d'être. Nous avons éventuellement, le Covid-19 nous a étalé tous les problèmes qui sont là et qui doivent être donc solutionnés. D'accord. Donc là, le Covid-19, je peux dire bien certainement nécessaire. Bien au moins, certainement nécessaire. Donc, après votre explication, ce que j'ai mis à y capter, c'est quoi? L'Afrique. Vous avez parlé de l'Afrique. Oui. Oui. Mais comment vous avez trouvé l'Afrique par rapport à l'ouverture de l'Afrique par rapport au monde? Parce que dans le monde, il y a 5 continents. Donc, la pandémie qui s'est déviée, pandémie jusqu'à pandémie, toucher l'Europe, l'Amérique, l'Asie, notamment en Afrique, une infime partie. Le point où nous avions pris départ aujourd'hui, le milieu où en année, l'Europe avait commencé à ce milieu. Et entre guillemets, lan lañuy wax, lan mo tax ñu ñuy yi duñu dé, lan mo tax du len sonal. Donc une petite explication, c'est-à-dire l'Afrique doit être debout, se tenir en un seul bras et parler haut et taper fort. J'avais entendu que le président disait aux Européens, à la conférence des Nations Unies, que l'Afrique a ses diplomates, l'Afrique a ses fils, ils ont les mêmes diplômes internationaux que vous. Alors, arrêtez de nous dicter des lois, arrêtez de nous contrôler, arrêtez de nous proposer des lois. Ces paroles reviennent aujourd'hui. Par rapport à l'ouverture du monde, les présidents, les gouvernements, parce que le monde n'est pas gouverné par l'Europe. Il y a plusieurs pays et chaque pays est gouverné par un président. Donc, c'est ainsi que ces présidents devront se montrer haut et fort. La pandémie est venue, la maladie, ils ont des problèmes de nourriture. Un seul pays ne peut aider l'autre. Pourquoi? Parce que vous avez bien parlé, ils ont peur. Mais comment vous avez trouvé ce problème? D'abord, je vais commencer là où vous avez commencé. Oui. Par rapport à comment en est-on arrivé à cette situation de pandémie? Oui. Pandémie, cela veut dire que ça touche tout l'espace mondial. Mondial. Alors que cela a une origine. Et l'origine, c'est la Chine. La Chine. Tout à l'heure, je parlais donc du système monde. Donc, un fait géographique qui a existé au moment où une décision, et quand je dis décision, cela renvoie automatiquement à donc la décision que le président, par exemple, a prise lors de la fermeture des frontières. C'est une décision. Oui. Je ferme mes frontières. Même si cela a été fait donc tardivement, mais il l'a fermé. C'est bien. Oui. Donc une décision, un événement qui a eu lieu quelque part à la surface de la terre et qui ont été susceptibles d'avoir des conséquences en tout autre point du monde. D'accord. C'est ce qu'on appelle donc ici mondialisation. Ici mondialisation, d'accord. Donc le système monde. Autrement dit, la mondialisation est tout simplement un ensemble d'éléments qui permet effectivement à ce que toute chose qui serait produite ailleurs pourrait avoir des répercussions ailleurs. En un temps record. D'accord. Donc, vu le problème de la pandémie, parce qu'on ne pourra pas échapper à cela, il faudra au moins lancer un appel à travers les élèves, l'éducation et l'ensemble du corps professoral, l'administration, les pays. Le niveau où le pays en est aujourd'hui, qu'allez-vous dire par rapport à cela? Le niveau économique ou le niveau politique? Le niveau économique. Le niveau économique. Oui. Je l'avais dit tout à l'heure. Tous les pays sont à plat du point de vue économique. Pourquoi? Parce que tout simplement, on levait des fonds pour assister économiquement aux différentes populations. C'est la raison pour laquelle je disais, au lendemain du Covid-19, il y aura de sérieux problèmes dans tous les pays du monde. Parce que toutes les économies sont à plat. Sont à plat.
au Sénégal par contre, avec l'assistance qui a été donc portée à l'écart de la population sénégalaise par le gouvernement sur place, va jouer un rôle très donc déterminant. Il ne reste que tout simplement aux populations de bien pouvoir éventuellement donc suivre les recommandations qui nous ont été données par le ministère de la Santé à travers les médecins. D'accord. À ce point, nous faisons un mention spécial au ministère de la Santé. Eux aussi, ils ont fait leur combat. Ils n'ont mélangé aucun effort pour la protection de la population sénégalaise. Je vous le dis, ils ont déployé les grands moyens. Ils ont fait des efforts. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que leur population souffre de cette pandémie. On leur fait un coucou et on leur salue et on leur donne un big respect. Mention spéciale aussi au président parce qu'il a fait au moins un petit geste en apportant son soutien au pays. Qu'allez-vous dire à cela? C'est une très bonne chose, c'est une très bonne initiative, mais seulement que aujourd'hui déjà l'essentiel est un peu écarté parce que les paroles commencent à se lever allant dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. Le partage donc de cette aide alimentaire qui revient de droit d'ailleurs aux populations parce que ce sont les populations qui doivent en tenter bénéficier. Ça ne devait pas être même nommé aide. Cela revient de droit aux populations. Parce que c'est cette population qui doit payer. Et l'État doit aussi prendre des mesures nécessaires pour qu'il y ait effectivement des comptes à rendre après. D'accord. Pour ceux-là qui se sont chargés de la distribution effectivement de cette aide alimentaire. D'accord. Pour la distribution des aides alimentaires, ils devront rendre compte à l'État parce que quoi qu'il en soit, ils devront rendre compte en État. D'accord. Mais l'État a donné de la disposition, il a délégué des personnes à qui ils devront contrôler cette aide alimentaire. Mais ces aides alimentaires sont actuellement en retard par rapport au niveau national. Ce qu'on entend dans les réseaux sociaux, la population crie, on dit qu'il y a politique ou pas. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé cela? Il faudra aussi se méfier sérieusement. Oui. Des informations émanant des réseaux sociaux. Les journalistes, et là j'attire l'attention particulière aux journalistes. L'information reçue doit être traitée, vérifiée pour voir sa véracité. Est-ce qu'elle colle avec la réalité avant d'en faire donc une information digne de son nom? Digne de son nom, d'accord. Parce que ce qui sort effectivement aujourd'hui, cela peut compromettre donc le vouloir des autorités. Des autorités. D'accord. Dans le cadre de bien faire donc bénéficier ces populations cette aide alimentaire. D'accord. Donc limusi jangar ci sa wax moy lepp luñ wax ci nga xol fu mu joggé ak fu mu jëm ndax té deug moy ñëk té deug moy muju. Je vous rappelle en chers téléspectateurs, un jour l'Afrique sera au rendez-vous et il va écrire son histoire, mais le Sénégal n'y manquera pas. Donc c'est mon dernier mot. Professeur, on est au terme de notre émission Saine Éducation. Votre dernier mot, s'il vous plaît. Alors, là, je ne manquerai encore une fois de plus de remercier toute l'équipe administrative qui est là, au directeur de la RMBT TV et au personnel qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite, effectivement. Et là, je vous encourage. Chaque jour est un combat. Oui. Il faudra continuer et accepter de recevoir, partager, aller vers l'information. Ce qui est sûr et certain, d'ici peu de temps, cette télé donc pourrait cartonner. Oui. Aux populations qui nous ont suivis, sachez que nous sommes là tout simplement pour partager. Et ce partage, nous croyons qu'a été donc à la hauteur. Oui. Et nous ne manquerons pas, en cas de besoin, de venir répondre à votre appel. Oui. Nous sommes véritablement à votre disposition. Mais aussi, et les populations, d'autant plus qu'on est passé au cas communautaire du Covid-19. Oui. Donc, il est important que tout un chacun d'entre nous puisse se considérer qu'il est un potentiel Covid-19. Covid-19, oui. Un potentiel, tout un chacun d'entre nous est un Covid-19. Donc, s'approcher de quelqu'un est un danger. Oui. Que quelqu'un s'approche de toi aussi est un danger. C'est pourquoi il faudra rester à la maison. Rester à la maison et sortir quand c'est
nécessaire, mm-hmm. quand c'est fondamental, mm-hmm. retenez les enfants, mm-hmm. mais n'oubliez pas mm-hmm. que l'école mm-hmm. va rouvrir, ouvrir mm-hmm. ses portes. Mm-hmm. Ne désapprenez pas. Mm-hmm. Surtout les élèves qui sont en classe de CM2, oui. les élèves qui sont en classe de 3e, mm-hmm. les élèves qui sont en classe de terminale, oui. c'est le moment mm-hmm. qui est offert à vous mm-hmm. pour pouvoir donc relever la barre mm-hmm. afin donc de trouver une solution sur des leçons mm-hmm. dont vous n'avez pas comprise oui. auparavant. Donc mettez-vous mm-hmm. donc à réviser oui. à la maison de mm-hmm. manière continue. Mm-hmm. C'est d'ailleurs dans ce sens-là mm-hmm. que cette télé ma famille, c'était possible.